Je suis ravi, rien ne pouvait me rendre plus heureux que l'instant où j'ai appris que le gouvernement espagnol envisageait de se rendre devant une cour internationale. J'avais lancé le défi à l'Espagne de porter tous les différends devant les tribunaux internationaux, la Cour internationale de La Haye pour la souveraineté nationale et le Tribunal international des affaires maritimes concernant les eaux qui entourent Gibraltar.